Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. 10, faut planter, ce serait bien. C'est un petit par 3, 140 mètres, il doit y avoir 130 au moins là. 137 au moins. 137, juste mettre sur un rayon de 3 mètres quoi, faut donner une chance de birdie. 11, il est hyper simple. Franchement, 10, 11, 13. 11, on peut quasiment toucher le green, je pense. 10, 11, 13, 14, 15, il est relou. Le 15, il est relou, mais. Après, des jaunes, il y a moyen de passer. Des jaunes, on peut peut-être passer. Ou à droite, tu mets à droite. Ouais. Je mets sur le 16. C'est vrai. 16 facile. Ouais, franchement, il y a moyen d'être tapé là. On peut aller les chercher. Allez. Allez, les gars, on s'accroche. On dirait les gars au tournoi de 6, ils sont derrière et tu regardes les swings des professionnels. Ah non, ah, c'est... Non, je cut encore. Allez, viens, réveillez les marmottes. J'ai même pas vu ma balle. Allez, Verti, c'est ton trou, grand. Allez, Clem. Ah ouais, ça me casse les couilles. C'est après, hein, le 11. Putain, je te jure, je sais pas comment je fais ça. C'est pas grave, t'inquiète. Je tourne pas, en fait, je pense. Je sais pas, j'ai pas... Oui, champion. Pas grave, t'inquiète. Oui, elle tombe trop, mais ça va. Tu es green, hein? Ouais, elle est belle. Bon joué. Merci. Dommage, elle était partie plein bas. Et il y a un petit vent. Mais ouais, bonne petite claque là. Elle est partie plein bas. Elle a un petit peu pris d'effet droite-gauche. Mais on est green. Il y a 4 potes pour partie. Allez, les gars. Let's go. Je suis juste là. Je la voyais pas s'échapper autant à gauche. Je pensais qu'elle serait plus courte, mais c'est pas grave. On a 4 potes. Il y a 4 ficelles à rentrer là. Allez, 4 opportunités de ficelle. Petite pensée pour ma chérie, ficelle Picard. Elle est belle. Oh putain, elle est putain, c'est court, Charles. Ouais, c'est les potes à 2 mètres aussi. Le par est fait, tu peux y aller. Hein. Ah, reste pas court. Interdiction. Ouais, c'est bien, c'est un bon pote. C'est super bien, c'est la ligne parfaite. Ça revient pas mal quand même. Non, jamais, type. Jamais. Ouais. Bon, c'était dépassé au moins. Bon, allez, le par est fait, on reste moins 3. C'est pas grave. Le 11, il est facile. Moins 4, non? Moins 4. Excusez-moi. Je vais admirer un petit peu le golf d'Arras en automne. Vous voyez, c'est très joli. Franchement, on a de la chance niveau météo quand même. Hein. Normalement, ce temps-là, tu vois, en automne, il fait froid, t'es en pull et tout, tu sais, tu joues pas bien. Tes balles, elles plug, t'avances pas. T'es en mitouflé dans tes trucs, t'as l'impression d'être un saumon en papillote, mon gars. T'as l'impression d'être un maquis de saumon, avocat, cheese. C'est un drive, il va falloir être assez précis sur le drive, mais à part ça, y a pas de risque. Là, on rentre sur la partie facile du golf, donc c'est maintenant qu'il va falloir aller chercher les gros points, là. Parce qu'il y a plus d'eau à partir de maintenant sur le parcours, sauf au 18. Mais sinon, à partir de maintenant, il y a plus d'eau sur le parcours, y a que de la forêt. Que de la forêt, des bacs, des trucs comme ça. Ça, hein? Ouais, c'est ça. Des doglegs, des départs un peu à l'aveugle, mais à part ça, il n'y a pas de. En fait, c'est plus du long jeu. Ouais, franchement, ça. Le retour est beaucoup plus facile. So let's go. Je dis ça, on commence par un par 3 de 130 mètres, on fait même pas birdie, mais bon. Allez, les gars. Incroyable. Plus à droite. Super balle. T'aimes bien les balles basses, toi? Hein. Ouais. Là, j'ai pas cherché à lever parce que le vent il vient avec. Bah, ouais, ça sert à rien. Là, on va difficilement faire mieux. Là, hein. Moi qui fais les balles hautes en plus, moi. Un peu plus à droite, ça c'est cool. Oh. Trois à gauche. Ouais. Putain. C'est... Ah, c'est bien. C'est bien. Arrête de te dire que tu dois toujours être tout droit, tout droit, tout droit. C'est... Après, tu joues au sport le plus compliqué au monde là. Hein. C'est une galère. Ah, on a joué. Mais la claque. Petite pause, on laisse passer les gens. Non, on discute du golf. Comme quoi, c'est le meilleur sport au monde, les amis, hein, tout simplement. Il y a rien à dire. Non, mais franchement, vous avez fait beaucoup de sport, t'as fait du foot. C'est pas comparable, non? Je sais pas. Non. Déjà, c'est pas pareil parce que le foot, c'est collectif. Mais le golf, c'est un énorme travail mental aussi, tu vois. Et c'est un truc, faut avoir un mental, c'est impressionnant. Et c'est ce qui manque aussi parfois aux joueurs, je trouve. C'est qu'il y a peut-être la technique, peut-être le jeu qui est bon, tout ça, mais t'as pas le mental qui suit. Le mec qui a fait un mauvais shot, qui a pété un club, tu vois. Ouais. Ça va être compliqué pour scorer. Non, mais c'est surtout que la marge de progression, elle est quasi illimitée en fait. Puis
t'as tellement de paramètres à prendre en compte. T'as le chemin de club, face de club, enfin, le vent, le lie, ce que tu peux faire avec ta balle, droite, basse, haute, fade, draw, push, pull, enfin, tu peux tout faire. Et encore, on parle que du grand jeu, après il y a le petit jeu aussi. L'approcher, haute, basse, avec du spin, sans spin. L'enfer, le petit jeu. Et le putting enfin. Le jeu dans le jeu. Allez, go. En fait, si tu veux, on n'aurait jamais repris le golf si on l'avait pas repris tous en même temps. Ouais. Enfin, je veux dire cette année. Ouais, c'est vraiment un truc que vous faites entre potes, quoi. Bah ouais, ouais c'était. On est parti au golf de Béthune faire des approches, mais sur un coup de tête, tu vois. Ouais. Et puis on s'est dit, bah d'ailleurs, ça vient d'initiative, vient de moi, et je me dis, putain, les gars, ça serait cool que tous les week-ends, on se fasse un truc ensemble, parce qu'on était déjà sur l'ordinateur, tu sais, le Discord, les jeux vidéo et tout. Ouais. Et on s'est dit, bah on a envie de sortir, ça va être l'été, en plus on veut se faire kiffer. On a dit allez tout le monde, on part tous au golf. Et on a pris notre inscription ici à Arras. Trop bien. Au bar, on regardait un peu les tarifs et tout, ouais, l'abonnement et tout, moins de 25, moins de 18 et tout. Non franchement si on cotise et tout ça peut être carrément lourd. Là sur un coup de tête on en a parlé au bout d'une semaine, puis ensuite ça s'est fait direct quoi. Trop bien. Les semaines depuis. Ah puis vos parents ils vont être contents non? C'est mieux ça que traîner dans les bars. Claire. Même si on finit le taf à 17h30 l'été, tu peux venir jouer après. Tu fais les pétanques. Ouais. Ça, c'est un bon moyen de progresser, ça. C'est clair. Les pétanques entre potes, au putting aussi. C'est kiffant, les pétanques. Ah bah, c'est comme ça que je progresse. Hein. Totalement. Enfin, jouer au golf entre potes, c'est le meilleur moyen, je pense. De ouf. Puis tu kiffes, tu vois, t'es là, tu prends plaisir. Bah, t'es en détente. Allez, on est là. On est à 65 mètres. Avance. Putain, il y a le vent. Qu'est-ce que tu fais? T'as puis je suis aimé, joue 80. Ça peut, si ça prend un bon kick gauche. Ah, prends pas le kick. Ça va aller ? Il y a le pas rassuré. Elle peut être belle, elle. Elle peut être belle, celle-là. Non, elle est con. Non, elle peut être belle. Avance. Ah ! Je vais Charles. C'est con, non ? Ouais, c'est un peu court, mais ça va, elle est bien. C'est un bon shot, hein. C'est bien. Sur la droite un peu, mais c'est un bon shot. Non, mais c'est un bon shot, c'est bien. Bien joué, Clem. J'étais juste là. Et on va plutôt prendre qui est celle là-bas parce qu'en fait elle est plus proche du trou et il y a moins de pente. Ouais, c'est fort quand même. Hein? J'ai poule. Elle peut être belle celle-là. Non. Bon, le par il est. Ouais, c'est un super pote. Hein. Non, tu sors à gauche, tu le sens direct. Moins 4, mais la tête haute. Il reste 7 trous les. Ça veut dire que si on veut faire le moins 10, faut. Birdie. C'est que des birdies. Et à droite, un par. Ouais, j'ai dit moins 9. Et qu'est-ce qu'il a dit moins 8 Clem. Bon, trou numéro 12, peut-être le trou le plus dur du retour. Long par 4. Le green est très loin là-bas à droite. Donc c'est vraiment un trou compliqué, donc faut qu'on fasse par. Si on fait birdie, ce serait excellent. C'est même le plus difficile du parcours. Ah, c'est handicap 1 Ouais. Non. Ah, c'est... Bah, elle est bien, elle est énorme celle-là. Lâché. Passe la butte. Elle est énorme, non? Elle est énorme. Non, reviens. Elle passe ou pas? Non, elle est droite, mais à droite. Pas cache ou... Ouais, difficilement faire mieux. Hein. Putain, un ras moquet. Bon, bah voilà. Ça va passer ou pas? Tourne un peu à droite. Ah, elle est belle. Allez, on est juste là, bord ref, on prend la balle de Thibaut. 137 mètres, ça va. Ça peut être bien ça. Ça peut être très bien. Ah, c'est long. Vas-y. C'est long? Bah, je suis. Elle peut être belle, elle peut être belle à la roulée là. En plus, le green il dégueule à droite, elle peut être magnifique. Oh oui. Oh oui. Ah elle va être fond de green à droite. C'est dommage, je la voyais bien revenir. Enfin je vois ce que tu voulais dire. Non. Oh j'ai gros kick sur la butte à droite là. Pan. J'ai accroché le sol mais tu as une puissance. Ça c'est une topette mais je veux trop en mettre. C'est même pas une topette hein. C'est un push. Belle topette quand même. C'est... Non c'est un push. Un push. C'est un push. C'est-à-dire que t'as un bon chemin de club mais que tu laisses la face ouverte. Ah. Alors je suis juste là. Tu Il y a cette... Ouais vas-y, c'était chaud, vas-y. Hein.
Il y a 7-8 mètres, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup à gauche. Genre énorme. Allez, mais on est quand même là, on peut être quand même pour birdie à 4. Il y a moyen. Il y en a large assez. Elle peut être incroyable. Va, va. Oh le monde. C'est bon. Incroyable. Bien joué, Matt. Énorme. La ficelle. Voilà les gars. Il n'y a rien à faire en plus. Voilà, tranquille. C'est la DDE. Il y en a un qui bosse. Et... il y en a un qui travaille, trois qui regardent. C'est un scramble DDE, tu sais. C'est ça. Il y en a un qui fait le taf, l'autre. Tranquille. Allez, on est moins 5 les gars. Et là, c'est un trou à eagle, non? Je vais vous montrer un peu le trou. C'est un par 5. Un énorme dogleg droit. Et en fait, le second coup est tout en descente. Oui, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Et vous voyez ce petit arbre là. Celui-ci, il signifie le début du dogleg. Et c'est un dogleg à 90 degrés. Au pire, le slice, elle y va. Hein. Elle peut être incroyable. Incroyable, celle-là. Elle peut être monstrueuse si elle passe. Dégage. Oui. Elle passe là. Ouais. Ça passe là. Il y a moyen, ouais. Attends, j'ai le 14 après, qui redescend à droite. Ouais. Et là, en fait, là, si je tombe sur le green du 14, bah, je descends et je peux être trop bien. Ah ouais, vous jouez comme ça. En fait, si ah ouais, on joue aggro là. Tu vois, en été, on coupait genre, carrément, tu vois, les plus hauts arbres là. Ouais. On coupait là, quoi. Là, on hop, et on arrivait sur le 14, et il nous restait 120 mètres, 130 mètres. C'est golf de rue. Oh, Charles, tu rigoles, mais ça peut y aller. Tu rigoles, hein, mais. Il y a un monde où ça y va. Voilà, c'est quand même. Le contact est mieux. Ouais, le rythme est un peu mieux, mais même je monte trop vite. Non, mais c'est normal, c'est les débuts en fait. Faut chercher midi à 14h. Hein. Ouais. Donc Mathis a sa balle qui est passée. Il est plein milieu de fairway avec un énorme drive très très solide. Bravo Mathis. Et regardez la vue, franchement magnifique. Magnifique point de vue sur le green en contrebas. Il reste 141 mètres tout en descente. Ça joue 130, non? Même un 9, j'ai peur. Ouais, je pense que tu as deux autres tapés pitch et le vendre. Il a combien le bunker? Quelqu'un a pris le bunker? Non. Tiens, essaie de le prendre. Tu veux que je tente pitch et on bunker le fond? 123 au bunker. 123 en descente, on va le passer. Voilà, pitching wedge. Vas-y, on va tenter au pitch, on verra où le pitch. Moi je pense que t'es dans le trou. Hein. Entre le bunker et le green. Entre le bunker et le green. Faire à droite ça. Enfin, je pense que c'est un... Oh oui. Regarde, c'est hauteur. Oh oui. Elle est dans ma belle. Tu fais quoi avec ton pitch, gros, mais. Je l'ai éclaté le pitch. Pas... Bon, la mienne pour le birdie, elle est parfaite. Hein. Maintenant, faut aller chercher le eagle, les gars. Oui, super shot. Ah, super shot, ça a bien joué, Clem. C'est super bien. Bravo. C'est dommage. Bien. Non, elle est belle. Elle est sortie. Elle est derrière. Il a pris un kick de l'espace, mon gars. Oui, mais c'est ça sur le green, je pense. Non? Il y a moi ici. Bien joué. Elle est belle. Bien joué. Voilà les gars. Sur la tienne, on peut faire quelque chose. Hein. Ma balle est là-bas. C'est le Thibaut qui est ici. Ça m'a l'air sympa ça. Break? Break? C'est pas ici, ouais, je pense. Je pense là, ouais. Tu vois cette faille là ou pas là? Ouais, je vois ton putter. Ah, bah tu passes sur son putt. Parfait. Ça peut y aller ça, Matt. C'est superbe. C'est va, superbe. Va, avance, avance. Ah, putain, oh, c'est la pente parfaite. Birdie est fait, les gars, on est moins 6. Oh, le claqué. Allez, Verti, c'est ton moment. Là. Allez, là, je te mets en couverture. Gros. C'est fort. C'est la même, si putain, renvoie une balle. Ça va, lui. Ça va, lui. Il n'y a personne derrière. Allez, c'est vraiment un tout petit trou, 100 mètres en montée. Il n'y a rien à faire là, on se met green. Birdie sous ce trou, c'est obligatoire. Moins 7. Indiscutablement. Allez les gars là. 100 mètres tout rond. Mais vous êtes court ou long? Pire peut être court. Court. Mais vous êtes court ouais, que long? Mieux être court, ouais. Ok. Ouais, là, le trou, il a l'air vraiment entré de green. Le green, c'est l'enfer. Oui. Elle me paraît longue. Pour moi, elle est entrée de green, mais là.
Ouais, c'est un bon... Putain, mais pour un mec qui joue 6 mois, c'est un super swing, hein. Franchement, c'est impressionnant, hein. T'as un bon swing, hein. On prend la balle de Matt qui est juste là. Allez, moins 7 les gars là. Super petit. Il en manquait, Tib, il en manque. Putain, ça c'est pas dégueu, mais il en manque 10 fois trop. Il en manque. Dommage. Verti attaque, hein. Il est fait ou pas? Ouais. Bah là il est fait. Ah, c'est tapé. Eh, ça peut y aller, hein. Ouais, non. Dommage. Putain, je sais qu'elle allait revenir avant. C'est agréable quand même. J'ai tellement kiffé découvrir le golf plus jeune. Le green est juste là. En vrai ça se fly, hein. C'est une bonne balle, hein. C'est une super balle. Bien joué Clem. Bon, elle va être fermée, mais elle est belle. C'est une belle balle, bien joué. Nous, au drive, on passe, non? Non. Ah ouais? Ils ont reculé les départs, et les départs des jeunes, normalement, ils sont devant, là-bas, en bas. En blanc, pour moi, c'est limite. Je vais essayer d'assurer à gauche, je pense. Ouais, là-bas. Hein? Watch out. Tip, t'en roules! T'as dévissé. Ouais, ça va, elle est bien. Ah, c'est moi, claqué. Chien. Dommage que tu passes pas... C'est pas jusqu'à la gauche, quoi. Elle doit être bien, non? Bizarre, non? Non, c'est pas bon. Tu peux essayer, hein? Non, bah non. Et nos deux balles, elles font bien. Tu peux essayer, essaye, hein. Essaye. Tu vois le trou là-bas entre les deux sapins, là? Où tu vois un arbre blanc derrière au fond? Ouais. Bah, tu vises, là. Oui! Ça doit être parfait. Ouais, elle va être parfaite. Let's go! Franchement, c'est trop cool. Ces trois jeunes là, j'ai mis l'histoire en dessous. Franchement, je trouve ça trop cool leur histoire là. Trois jeunes là, ils sont 5 en tout, je crois. Il manque Timothée, je crois, et un autre. Trop bien quoi, entre jeunes, se remotiver comme ça à faire du golf tous les week-ends, à s'inscrire ensemble. Regardez les trois potes là. Enfin, je trouve ça tellement incroyable. De faire ça, tellement de chance. J'aurais personnellement adoré commencer jeune comme ça, vers 17-18 ans. Pff, ça aurait été ouf quoi. Vraiment, je trouve que c'est une très belle histoire. Ça fait plaisir de voir comme ça trois jeunes là. Bien joué les gars, ça fait plaisir. En tout cas les gars, je sais que vous allez voir ça, et là vous m'entendez pas parce que, par contre, bande d'enfoirés, vous avancez 40 mètres devant. Je déconne. Mais moi ça me fait plaisir en tout cas, je passe un très bon moment et c'est sympa. Moi je suis content, apparemment j'ai mis un... Voici. Charles de Chambeau. Non, j'ai mis un bon drive, je suis content, on est là, on est bien. Donc il nous reste 20 mètres. Hein. Mais comme on est des tanches... Non, je rigole. Allez les gars, un petit birdie là. Hein. À cette distance là, à 4, franchement, c'est obligatoire. Obligate. Oui, c'est fort, non? C'est fort. Ah, elle est belle, elle. La distance elle lui a servi. Ça c'est dans le vlog ça. Et en plus, je venais de dire à Charles, mais pourquoi tu... Et en vrai, et moi je le voyais depuis tout à l'heure avec sa voiture, je me disais qu'est-ce qu'il mais fait, oui. Je disais rien. Je voulais faire un flop, mais c'est trop gros, je passe en dessous. Oh là là. Non mais gros, franchement. Non. Non. Ça va aller, non? Pourquoi c'est pas, ça va aller. Ce qui est dommage, c'est que tu vas être à hauteur en plus. Je suis aligné à droite les gars, non? Je sais pas, vas-y, bouge pas. Ah putain. Allez, on a une balle sur le green les amis. On en a une sur le green, non? On en a une sur le fairway aussi. Comme c'est agréable les températures là, c'est... Ah, par contre du coup c'est con parce qu'on a plein de balles sur le green, on sait plus lesquelles sont là. Il y a aucune première là? Ici, les deux du fond c'est les premières. Ah merde. Donc quoi, c'est dans la tête hein. Celle-là là. Tu te laisses 4 avec un logo dessus. Proviens. Ah non, là c'est la première. Bah oui. Putain, la spinée de ouf. Parce que vu comme je l'ai tapé, mon gars, ouais. Jamais de la vie je la voyais là. Hein.
Et les gars, je carry le game là, je carry le game. Ouais, il manque. Ah bon, peut-être. Il ne manque pas. Ben si, de la ligne quoi. Non. Ça prend pas assez. Ouais, oh, c'est putain. Sexy. Elle sort. Oh. Le par est fait ? Ouais, le par est fait. Bon. On a combien les gars ? On est combien ? On est moins 6 ? Allez là, c'est possible. Hein. Moi, les Fort Bro, parfois, on était. Je me rappelle de Saint-Émilion. On joue moins 1 sur 6 trous, les 6 premiers trous. Je vous mets un lien de la vidéo là. Et on finit moins 10. Moins 1, on fait moins 5. Ou moins, non. Moins 1, moins 4, moins 6. Du coup, il y avait les 6 premiers trous sur la chaîne des Toubro, je crois. On joue moins 1. Les 6 trous du milieu sur la chaîne de Lefty, ou les Toubro, je sais plus, on joue moins 4. Et les 6 trous retour sur ma chaîne, on joue, fait birdie à chaque trou. Et on joue moins 10 total. Incroyable, incroyable. Non, non. Si. Comment je me suis écrasé, j'étais près de ma vache, je l'ai senti. Elle est énorme. Elle est énorme. Oui. Ah ouais, oh non. Dommage, elle a... Je sais pas ce qui est passé, ouais. T'es en route, tu dois être placé là-bas, mais elle est belle. Tourne. Non. Aïe. Non, elle est cut, celle-là. Ouais. Elle est morte. Ouais. Elle est dans les arbres. Ah, elle a pas tourné. C'est ok, guys. Ouais, c'est se concentrer sur le jeu de fer. En fait, c'est le jeu de fer, souvent, où ça manque de précision, quoi. On est pas trop mauvais, je trouve, en profondeur. Mais ça manque de précision, clairement. Allez, les gars, on s'accroche, là. Birdie, hein. Elle est 130 mètres. Non, la crâne, elle est dégueulasse. Avance. Non, reviens. Putain, j'ai senti que j'étais sorti à gauche. C'est con, toi. Oui, tourne. Reviens. Ah, elle tourne pas. Oh, elle est longue. Oh, non. Tu les touches bien. Hein. Ouais, tu fais des bonnes balles. Hein, tu t'es juste mal placé, je pense. Ah, j'étais comme ça au-dessus. Non, mais tu fais ça, va aller, vite après. T'inquiète. Tu fais des bons contacts. Bah ouais, mais bon. Regardez-moi cette. Cache l'automne. Bah, 9, c'était pas du tout clair. Pas dégueu, mais comment faire pas les. Va, allez, va. Ah, c'était. T'en as rajouté, non? Allez, tourne. Ta petite bite. Et... On verra jamais le trou. Elle a pris la feuille, les gars. Oui, ah, bien sûr. Oui. Putain, il perd pas le nord celui-là. Hein. Ah bah, jamais. T'es dans le nord ici. Pour la faire tomber au bon endroit. Alors, apparemment, ici, le green est drivable en 1 l'été. Si elle arrive bien basse à droite, à gauche du bunker là-bas, là, elle prend la roule et ça peut l'été quand c'est bien sec, ça peut descendre jusqu'au green. Oui, magnifique, magnifique. Elle est incroyable celle-là. Elle va prendre la porte. Énorme, bien joué. Voilà, c'est bon, on peut s'acheter. Oula, oula. J'ai voulu en mettre, attends. Elle peut être incroyable. Je pas trop. Reste sur le côté. Il est chaud le matin. Voilà. Wesh. Mets le balle. Elle est belle. Ouais, bah belle. Franchement ouais c'est... Non, non mais là c'est l'endroit bien. Bah tu vois gros. Bien joué. Elle est belle celle-là. J'ai l'impression d'avoir travaillé qu'avec mes bras là par contre. Bah alors. Il y a combien Titi? 88. Oh là là. Tous mes wedges, ils sortent à droite. Comment elle est venue en arrière, gros. Avance, avance, avance.
Elle est belle. Bien joué, bien joué. Merci. Bien joué, Charles. Bon, il y a un birdie là, non? Je pense. J'ai retiré. C'est gratté, je peux 300 grammes de chaque chaussure. Non, je suis passé en dessous. Allez, go, 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 go. Allez, non. Oui. Non. Oh, du mal. Lâche un de ces trucs gros. On l'est pas réfé, hein. Ça ne peut être dégueu. Oui, oui, go, oui. Go, oh là 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 là, quelle injustice. Quelle infamie. Ficelle, numéro 2. Pour 1 million de dollars. Trop fort. T'es une petite. Au revoir ma balle, ouais, Stinger dans l'eau. Non. Stinger à hybride. La balle, elle est à 200 mètres de haut. Bon, bon ouais. Genre ça c'est dans l'eau. Plouf. Non, il y a moyen que non, je vais peut-être coller. Oui, Clem. Vertigo on solide. Fire. Solide. Elle est belle celle-là. Bien joué, belle balle. Très belle balle. Très très belle balle. Bien joué, très belle balle. Bien joué. Non, pas du tout. J'ai fait une grosse daube. Le bruit n'était pas dingue. Non, c'est une grosse pointe dégueulasse. Bonne journée, golf d'automne là. Putain, la vidéo elle est stylée là, les gars là. Comment? Non, là il y a un plan de ouf avec le soleil et tout. C'est bon ça. Une musique, tout ça. Attends, attends. Je vais faire un slow motion. Je vais faire un slow motion, ok, on va faire un plan comme ça, ultra cool. Attends. La caméra était... Ouais, bah Reste naturel, grand, yes. Non mais les gars, quand je peux de vos balles avec le GM... Ouais, alors moi les gars... Solide, bien joué. Merci. Eh ben le type est juste là. Ça va attaquer le green, je crois. Qu'est-ce que ça dit les distances là? Ah, j'ai 170, 173 d'entrée de green. Ah ça va? Ouais ça va. T'as quoi Matt avec t'as pas ton appli là? 170 tu dis? Entrée de green, mais je vois pas le drapeau en fait d'ici. Tu peux y aller en premier? Ah vas-y, vas-y. 170 entrée de green. Allez Stallone. Vas-y, je t'ai pris un 4. Hein. Tranquille. Mais elle est belle. Elle est belle la voix. Je vais les. Ah tu fais la même que moi. Ouais. Une erreur. Ouais. Votre balle elle est en jeu ou pas les gars là? Attends, rescue. La mienne elle est en jeu. Ah non mais j'ai voulu farcer. Elle est belle. Aïe aïe aïe, comment ça enroule. Bon allez c'est horrible hein. Parce que tu dis tiens je vais jouer tranquille, smooth et tout. C'est ouf hein, dès que tu veux forcer c'est quand même un sport. Quand j'ai fait mon swing je me suis dit Charles tu vas jouer tranquille. Arrivé là-haut c'était comme un ressort tendu de bah un élastique. Pas pu résister, j'ai s'accroché, j'ai enroulé à mort. Mais bon comme c'est beau. Il y a une balle là-bas à droite hein. Je sais pas si vous vous rappelez les amis là-bas, c'est les aubépines, le 9 trous, c'est ma première vidéo ever sur YouTube. Ça me fait très drôle d'être là et de le voir. À l'époque c'était à l'arrache avec un iPhone 4 ou je sais plus ce que c'était à l'époque. Attends non, on a l'iPhone combien 14 ouais. C'était il y a 5 ans, donc non, iPhone 6, 7 peut-être. Allez on est derrière le panneau là-bas. Je vais mettre la caméra ici. Oui le birdie pour... Voilà les gars. Le birdie est fait les gars. C'était bien cool. Joué. Ouais c'est carrément c'était cool. Bien joué. Bien joué les gars. Mais bien joué hein. Franchement tu joues super bien, bravo. Merci. Ça faisait plaisir hein, franchement. Ouais, franchement super. C'était super cool. Merci les gars, bien joué. Vas-y la revanche.
au Touquet. Bon les amis, c'est terminé. J'espère que vous aurez passé une bonne vidéo, que vous avez passé un bon moment. Moins 7, on finit sous l'objectif. C'est pas grave. C'est toujours. Moi je sais que la caméra ça peut déstabiliser sur les premiers trous quand on n'a pas l'habitude. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu quand même, j'espère que vous avez passé un super moment, vraiment. Non, c'est cool, ça fait plaisir. Moi j'ai passé un très bon moment avec vous, en tout cas les gars, ça fait très plaisir. Toujours sympa de rencontrer du monde et tout, les abonnés, tout ça, c'est cool. Et voilà, franchement, en plus, la chance qu'on a eue, énorme météo, conditions parfaites, donc franchement, très très solide. On a joué en t-shirt carrément. Ouais, de ouf. Le terrain était propre, franchement, c'était nickel. Nickel. Les greens roulaient bien, le fairway était bon. Et non, super, super journée, super condition, on est très content. En espérant une V2. V2 Touquet les gars. V2 Touquet. Yep. En tout cas, merci beaucoup à vous qui m'ont regardé. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir. Et what else? Moi je vous dis à bientôt au Touquet ou ailleurs. Voilà les amis. Ciao.